Donc, le processus de mise en œuvre du nouvel agenda urbain a permis au moins Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de recevoir le directeur exécutif ONU Habitat en 2020. Donc, c'est dans ce sens qu'on a mis en arrêté un projet, on a pris un projet d'arrêté pour faire un projet d'élaboration de politique nationale d'urbanisation. Il faut dire qu'au Sénégal, il y avait plusieurs initiatives. Et le Conseil national de l'urbanisation ne s'est pas réuni, ça fait très longtemps. Ça va donner une impulsion au niveau de chaque région, particulièrement au niveau de la région de Ziguinchor, de faire le diagnostic pour voir tout ce qui existait auparavant en matière de planification urbaine et des opérations d'urbanisme. Donc sur cette base, on va faire le diagnostic. Sur la base de diagnostic, on aura l'état des lieux de ce qui a été fait en matière d'urbanisme pour pouvoir au moins regarder les atouts, les forces et les faiblesses et de pouvoir décliner des perspectives. Oui, aujourd'hui, lundi 16 janvier 2023, nous nous réunissons pour vraiment participer au processus d'élaboration de la politique nationale d'urbanisation. Donc, c'est une rencontre multi-secteurs et multi-acteurs qui vise vraiment à établir une étude diagnostique sur le secteur de l'urbanisation. Qui parle d'étude diagnostique parle vraiment d'un état des lieux, d'abord sur le secteur, mais aussi identifier vraiment toutes les politiques sectorielles qui sont en lien avec le développement urbain. Et vraiment, une bonne étude diagnostique permettra, in fine, d'élaborer un bon document sur lequel vraiment l'État du Sénégal pourra mener à bien sa politique d'urbanisation.